Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Barakallahu feekoum, akhwan, que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Jalla soient sur vous. Que sa majesté, subhanahu wa ta'ala, vous gardez, vous préserve de tout mal, vous et votre famille. La ilaha illallah, Muhammad rasulullah, akhwan. Wa alaikum salam wa rahmatullah, akhwan. J'espère que vous allez toutes et tous bien. L'idée de ce soir, c'est quoi? J'ai mis une petite caméra dans le jardin qui va filmer en infrarouge. Peut-être on va capter quelque chose, inshallah ta'ala. Smetto. J'ai cru entendre des bruits de feuilles ou de pas, je sais pas. Regardez, mais c'était bizarre. Qu'Allah nous en garde. L'idée, ça va être donc, du coup, d'essayer de tenter de capter quelque chose. Parce que depuis qu'ils ont verrouillé le cabanon et qu'il y a un saut, je n'ai pas refait d'aventure. Pourquoi? Parce qu'à l'approche du cabanon, je me sens mal. Même après m'être renforcé et tout, j'ai comme des spasmes musculaires, des espèces de tremblements, des frissons. Donc je vous cache pas que j'aimerais faire quelques appels, tenter de laisser la caméra enregistrer. Et par la grâce et la bénédiction d'Allah, peut-être je comprendrai quelque chose. Peut-être Allah Jalla Fi'ula nous enverra un signe. Allahu a'lam. Wallah al-ardi marwan. Donc, l'idée de ce soir, ça va être que je vais utiliser un objet, un artefact extrêmement précieux que le voyageur m'a ramené. Subhanallah al-ardi, mais qu'Allah nous en soit témoin. Il s'agit des cendres de mon père dans le monde illusoire. Qu'Allah Azza wa Jalla ait pitié de ton âme. La ilaha illallah, qu'Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Pardonnez-lui tous ses grands péchés et accordez-lui le paradis. Wallah l'artim. A priori, s'ils sont mécréants, ils ne pourront pas s'en emparer. Vous voyez ce que je veux dire, car mon père a toujours été une créature du bon côté. Wallah l'artim, du bon côté, du côté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a œuvré toute sa vie dans ce sens-là, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah lui en soit témoin. Qu'Allah lui, ça me déchire le cœur de vous parler de lui. Quoi qu'il en soit, je vais me servir de cela. Donc je vais vraiment pas trop m'attarder sur le sujet, mais concrètement, si c'est quelque chose de malveillant, ça ne pourra pas s'emparer de la boîte, tout simplement. Si c'est quelque chose de bienveillant, ça pourra s'en emparer. Vous voyez ce que je veux dire? Allah, regardez. C'est d'ailleurs ces cendres-là que ceux au Maroc m'avaient demandé de ramener. Souvenez-vous, dans le livre, il y est inscrit qu'on peut retenir un esprit impur. Grâce à certains, en fait, en réalité, grâce à certains sauts de protection, je vous cache pas. Je sais pas encore si je vais utiliser ça, je vous avouerai que je suis pas du tout sûr. Regardez, subhanallah al-ardim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je l'ai précieusement gardé. Donc vous savez ce qu'on va faire. Je vais enregistrer tout de suite. Attendez, bougez pas. Je vais lancer ça immédiatement. Hop, tac. Ok. Donc la caméra, elle est ici, ar-Rahman. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cendres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Attendez, Aaron. Subhanallah al-Ardim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Jalal, wa anak. Je dépose un objet que certains d'entre vous connaissent. Prenez-le à ce moment-là. Et à ce moment-là, je considérerai que vous êtes digne de confiance. Et seulement à ce moment-là. Subhanallah al-Ardim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'oud abekalamat ala tamatin min shalima khalak. Mais comment ça? Mais vous voyez la lumière qu'il y a ou pas? Astaghfirullah al-Ardim. Wanak. Bismillah ar-Rahman ar-A'oud abekalamat ala tamatin min shalima khalak. Mais il n'y a aucune lumière, Ikhwan. Wallah qu'il n'y a aucune lumière, subhanallah al-Azim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Votre frère, vous pouvez au canal accrocher pour la laver. Taïl, taïl. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'oud bekalamat al-Ahtamati min shari ma khalak. Bismillah ar-Rahman
لا 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 يضروا ما في شيء فرق أرض. لا 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 السلام عليكم ورحمة الله. Qui est là? Merci.
Alec. Vous avez vu ça par là, Jalafeola? Voilà. J'ai vu ça, j'étais pétrifié. Starfola. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Où est-ce que vous êtes parti, Wanak? Vous avez vu ça? J'étais pétrifié de peur, c'est brave, malade. Alec. Je comprends pas, Orla. On voit de la lumière, alors qu'il n'y a rien. Il y a un truc. Kala nous en garde qui est venu, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça a pas pu prendre la boîte, Erwan. Qu'elle nous en garde. Sachez que je vais purifier. Et que ça va pas se passer comme ça. Allah al-Ardin. Méfiez-vous des châtiments douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nastahfi Allah. A'oudu bilanum shaitan al-ajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a toujours le sceau sur la porte. J'irai le filmer demain, Inch'Allah. C'est trop. Lardim, c'est trop. J'étais là, pétrifié. Je pouvais pas bouger. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'étais en train de regarder. J'hallucinais sur ce que je voyais. J'étais en train de lever mes yeux. Je voyais rien. Exactement comme la lumière. Oh, qu'Allah nous en garde. Wallah, Lardim, Erwan. En plus, à deux reprises, j'ai entendu comme des chuchotements de... Je sais pas, féminin ou... sont garmés d'enfants ou je ne sais quoi. Starfall, des Merwan. En tout cas, ils n'ont pas pu prendre la boîte. Ça s'est approché, ça a fait des trucs bizarres, ça. Merwan, on est le lendemain, je vous cache pas. Il m'a fallu du temps pour me remettre. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, j'étais pétrifié. Genre, il m'a fallu presque 2 à 3 heures. Je me suis endormi, j'étais encore dans le mal, c'est pour vous dire. Il m'a fallu au moins 2 heures et demie pour retrouver mes esprits, même après avoir mangé. Subhanallah, je me sentais encore faible. Dites-vous bien que j'étais pétrifié ici, là. Je regardais le téléphone. Je voyais ce qui se passait dans le téléphone. Je regardais ici, je voyais rien. Wallah l'ardem. Je vous dis pétrifié parce que quand j'ai vu que ça venait à côté, sur le moment, j'étais tellement excité. En fait, j'étais tellement... Wallah l'ardem. En fait, c'était trop bizarre parce que j'ai cru que c'était le voyageur pendant quelques secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre qu'il allait pouvoir saisir la boîte parce que du coup, ça aurait donné un signe. Vous voyez? Et là, c'est quelque chose qui est venu que j'avais jamais vu. Qui se dédouble, qui se déplace à des vitesses bizarres. On a l'impression que ça dégage une brume. Oh, qu'Allah nous en garde. Des déplacements qui va très très vite et tout. Non, c'est trop. J'étais là, j'étais pétrifié, Juan. Qu'Allah m'en garde. Oh là là, dim, rien que de vous en parler, la gorge qui se noue immédiatement et tout. Oh, qu'Allah nous en garde. Oh là là, dim, Juan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azawajal soient sur vous, Akhwan. On se dit à très vite, Inch'Allah Ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh.